Notre invité suivant a choisi l'un des plus beaux métiers du monde, puisqu'il est ténor. Pavel Kolgatin a été remarqué par le jury du prix allemand Voix Nouvelle. Il a été engagé par l'Opéra de Vienne. Ses rôles de prédilection sont Nemorino dans L'Élixir d'amour et Tamino dans La Flûte enchantée. Je suis très content d'être ténor, parce que je trouve que c'est la tessiture pour laquelle les plus beaux airs ont été écrits. J'ai commencé à chanter à l'âge de 4 ans. Ce qui n'est pas courant, c'est que j'ai démarré le chant en tant que soliste, et non pas dans une chorale. À 5 ans, je suis venu à Moscou. Mes parents m'ont envoyé au conservatoire, et là, j'ai étudié le chant et la direction d'orchestre. Un an après être sorti du lycée, j'ai terminé mes études de chant au conservatoire. Et dès cette époque, j'ai commencé à me produire au Bolshoï à Moscou, au Landestheater de Salzbourg et au Teatro Valle à Rome. In qual fiero contrasto, in qual disordini di pensieri e di affetti, io mi ritrovo. Tanto insolito e nuovo è il caso mio, che non altri, non io, basta per riconciliarmi. Alfonso, Alfonso, quanto rider vorrai della mia stupidezza. Ma mi vendicherò, saprò dal seno cancellar quell'iniqua, saprò cancellarla. Cancellarla. Troppo Dio questo cor. Per lei mi parla. Tradito, schernito, dal perfido cuor, dal perfido cuor. Io sento che ancora questa alma m'adora, io sento per essa le voci. Sento per essa le voci d'amor, le voci d'amor, le voci d'amor. Tradito, schernito, dal perfido cor, dal perfido cor. Tradito,
C'était le tradito scernito de Così fan tutte. Mais tu aurais pu interpréter aussi Una aura amorosa. Pourquoi ce choix? Je viens de Russie, et nous autres Russes avons un certain penchant pour le drame. Un peu comme les Italiens. Dans cette aire, je peux exprimer toutes sortes d'émotions et de nuances. C'est très expressif. Il y a une chose que je voudrais savoir, Pavel. Sur scène, tu as déjà interprété les rôles de Nemorino, de Tamino, et je suppose aussi de Ferrando, puisque tu as chanté ce soir Tradito Scernito. Qu'est-ce que tu aimerais chanter à l'avenir? J'aimerais chanter tous les rôles écrits pour ma voix, celle de ténor lyrique. Et j'aimerais aussi jouer des rôles de méchant. Tu veux montrer les dents? Je veux jouer les amoureux, les rôles dramatiques. Tu voudrais couvrir toute la palette des émotions. J'aime bien surprendre le public et me surprendre moi-même. J'adore éprouver de nouvelles émotions. Parce que, pour moi, la vie n'est rien d'autre que des émotions. Au quotidien, tu es plutôt colérique ou pacifique? Plutôt pacifique, je crois. C'est pour ça que tu voudrais jouer les méchants sur scène pour voir un peu ce que ça fait.